Coucou tout le monde, donc on se retrouve où? Je vais arriver dans une nouvelle vidéo. J'avais acheté ça chez Action et du coup j'avais envie de le monter avec vous. Voilà. C'est le bonhomme de neige et Santa avec le Père Noël. Donc c'est une boule. Et du coup je voulais le faire avec vous. Pour voir un peu ce que ça donne. Donc on en avait plusieurs. Moi j'avais celui-ci dans mon Action. Donc celui que j'ai pris, par contre, ces deux-là, ça ne me parle pas du tout. Alors, du coup, comment ça se présente? Donc, on a ça. Donc, en 1, apparemment, c'est ça. Il faut venir détacher ça. Et en... Bon, ça me rendait vachement simple. Hein. Et en 2, on va venir l'éclipser. Donc, je pense rien de compliqué du tout. Donc, ça, même un enfant... peut le faire. Il n'y a pas écrit d'âge, mais peut-être que je m'avance un petit peu. On va faire ça ensemble. Hop. Donc on va venir enlever ceci, ce qui est le plus chiant. Ah mais en fait, ben voilà, je vais faire comme ça sera beaucoup plus simple. Je vais venir casser là sur les côtés. Donc nous, c'est cette partie-là qui nous intéresse. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Alors j'en vois. Ah oui, il y en a 2 en bas. 2 sur les côtés et 1 en haut. D'accord. Ok. Hop. Donc ça, c'est fait. Après, on peut venir aussi les peindre, mais moi, je n'ai pas envie. Je laisse en bois, donc j'ai acheté plusieurs choses comme ça et je vais les faire avec vous. Donc, ça peut aider des personnes. Enfin, pour celui-ci, je pense que je vais vraiment aider personne. Hein. Donc, j'ai peut-être commencé par le fond. Voilà, vous voyez, on va venir les rentrer comme ceci. Ah, par contre, je vais voir si bien à fond. Là oui. Donc voilà le premier. Ensuite, oui, après il y a les encoches, donc il y a vraiment juste à suivre. Le deuxième. Et la dernière, voilà. Déjà la dernière. Voilà, donc pas hésiter du coup, vous voyez, à bien venir appuyer dessus. Regardez, ça fait plutôt sympa. Hein. Et encore là, c'est pas bien mis. Ensuite, je vais venir mettre peut-être celui du haut. Donc on fait du coup la même chose. Là, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, voilà, là vous allez vous rendre beaucoup mieux l'aperçu. Et ensuite, eh ben, on vient faire celui des côtés. Ouais, n'hésitez pas à venir appuyer. Hein. Et ben voilà, c'est déjà terminé. Voilà, 4 minutes 20. Regardez, le rendu y est plutôt pas mal. J'aurais bien aimé essayer de mettre une petite guirlande, mais non, je pense que je vais laisser comme. Ben écoutez, je crois que je vais en faire un deuxième avec vous du coup. Donc voilà, pour celui-ci, franchement, stop. Je vais regarder les autres. Voilà, le deuxième que j'avais pris, c'est ça. Avec la petite cloche. Donc du coup, c'est parti. Hop.
Alors, du coup, on a ici les petits personnages. On a notre petite cloche avec la fausse neige. Donc là, au dos, on a les instructions. On peut même venir mettre de l'aquamarqueur dessus, mais moi, je laisse en bois. Donc, première étape, pareil, on va venir apparemment tout défaire. Là, ça risque peut-être d'être un petit peu plus long. Il va falloir venir tout assembler. Donc, je fais ça en vitesse rapide. Hein. Voilà, j'ai terminé. Donc, petite chose que je n'avais pas vue. En fait, on a pour faire deux scénettes. Voilà. Par contre, faites super attention parce que j'ai cassé plusieurs trucs. Il y a par endroit, bon, celui-ci, ça a été. Mais par endroit, c'est super bien accroché. Et du coup, dès qu'on force un petit peu, et bah, ça casse. Voilà. Donc, on a plusieurs. Voilà, j'avais pas vu. On a pour faire ce choix-ci et ce choix-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a deux petits plateaux comme ça. Alors du coup, lequel est lequel? Aucune idée. Donc là déjà, on a le renne. Alors, je vais essayer déjà de monter le renne. Ça m'a l'air déjà un peu plus compliqué. Donc je pense que ça vient comme ça. Ensuite, comme ça, alors après, ouais, s'il faut bien l'enfoncer jusqu'à fond. Voilà, je ne peux pas plus. Ainsi, voilà. Voilà, donc lui, le petit cerf-renne est fait. Voilà. C'est pas très droit, là, il faudrait que je mette de la colle. Du coup, il va venir où, lui? Ça, ça se met devant, donc non. Merci. Donc lui, on ne mettrait qu'une seule patte dans le trou. Ah non, c'est ça, ce petit sapin-là. Comme ça, du coup, là. Ce petit sapin-là viendrait là. Lui, je sais pas, pour sa patte, du coup, ça fait bizarre. Je crois qu'ils ont même pas mis sa patte dans les trous. C'est ouais, c'est un peu compliqué quand même. Là, j'avoue, dans le deuxième, si je me repère bien, on aurait... Ah non, le lapin, il rentre pas dedans. Donc, lui, il vient là. Ben non. Écoutez, là, j'ai un petit bug. Sur le lapin, c'est impossible qu'il rentre. Le lapin, il est en première. Ah, attendez. Là, il y a le trou devant et là, c'est le trou derrière. Le lapin, voilà, d'accord. On va y arriver, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ouais, mais non, c'est pareil, ça. Ça rentre pas là. Donc, du coup, c'est peut-être... Je pense, c'est sûr, c'est comme ça. Et si lui vient comme ça? Le lapin vient là. Et ici, j'ai dit, c'est ça. Voilà, on va y arriver. Ouais, voilà. Comme ça. Ensuite, là, il y a lui qui vient là. Comme ceci. Et après, là, il y a deux sapins qui viennent derrière. Et du coup, c'est lesquels ? Par contre, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. On dirait celui-ci. C'est de là, je pense.
Non, celui-là il rentre pas, donc c'est pas possible. Ah non, il rentre pas. Ce sera celui-là. Non, je pense pas que c'est celui-là. Hein. Là, ça me donnerait ça. Et ici, donc là, j'ai ça. Par contre, je pense que le renne, en fait, il est posé sur rien du tout. Je vois très, très mal. Je vois très, très mal. Ça. Ça vient là. Celui-ci. Ça vient là. Ça vient là, comme ça. Et du coup, lui, en fait, il est juste posé. D'accord. Pour celui-ci, ça nous donne ça. Comme ça. Et là, ils sont venus coller des flocons. Ouais. Par contre, les flocons, je suis pas sûre de vouloir les mettre. Ouais, ça, je sais pas. Je verrai. Donc, ensuite... Ah bah, et oui, mais je suis bête. En fait, je suis complètement bête. Il y a deux cloches. D'accord, on a deux cloches. Ah, ok. Moi, j'avais pas vu ça du tout. D'accord. Je pensais qu'on avait deux projets. Mais non. Oh, la bête que je suis. Ah bah, c'est encore mieux, là. Par contre, ça, ça va pas. Celui-là, il va pas. Il rentre pas. Ah si. Ben non. Pourquoi il ne rentre pas? Si, ça y est. Voilà. Donc, ça nous fait deux petits trucs comme ça. C'est super mignon. Donc, ensuite, on doit venir mettre de la neige. Donc, du coup, je peux peut-être quand même mettre mes petites... ouais. Je vais venir quand même en mettre parce que du coup ça pourra fermer. Ah oui, j'ai même pas vu qu'il y avait deux cloches. Certaines vont dire c'est vraiment toi la cloche quoi. Donc comme ça et du coup j'ai mis saupoudrer un petit peu de neige et on peut en fait bah non j'ai même carrément encore mieux ça je vais venir le coller sur mon support ah, j'ai ma colle qui ah ça y est j'ai ma colle qui était bouchée Allez, je me repère au tronc. Hop. J'en ai plein les doigts. Hop. Donc elle, je vais bien la mettre comme ça. Donc là, c'est bon, je pourrais fermer. Je vais laisser sécher un petit peu. Je vais m'occuper du coup de la deuxième. Donc lui, je vais venir le coller aussi. Attendez, je vais peut-être venir d'abord mettre mon flocon. Et du coup, je vais le mettre comme ça. Oups, bien en haut, comme ça, ça cache mon sapin qui est cassé. Et du coup, je vais remettre un peu de colle. Voilà. Je viens m'aligner. Bien comme il faut ici pour pouvoir fermer et je viens coller mon graine
son lit va être plus fragile. Voilà, et du coup maintenant je vais venir saupoudrer un peu de neige. Ah, j'avais vraiment pas vu quoi. N'importe quoi. De toute façon, c'est le moment où on en met partout. Hein. Donc là, je prends ma petite cloche, mais à mon avis, je ne vais pas réussir à la fermer avec la neige. Bah si. C'est trop joli. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement j'aime beaucoup le rendu. J'aurais dû coller aussi le petit globe. Ouais, je vais aller mettre ça sur ma petite déco de Noël, ça va être sympa. Par contre là, dommage parce qu'on a le trou hein. Écoutez, je vais faire n'importe quoi, mais tant pis, on a le rond devant. Je vais essayer de le cacher. Et là, ce que je vais faire tout de suite, à la fin, je vous mettrai une photo pour que vous vous rendez plus compte du résultat. Parce que du coup, je peux pas les pencher. Donc pour la caméra, vous verrez pas. C'est très sympa. Après, vous pouvez les mettre en couleur. Hein. Mais franchement, j'aime beaucoup en bois comme ça. Voilà, nickel. Bon, j'ai foutu de la neige partout, mais c'est pas grave. Voilà, écoutez, ben voilà, c'est fini. C'était des petits tutos comme ça. Vite fait, voilà, mais ça m'a fait plaisir de le faire avec vous. Comme ça, ça vous a montré un peu. Si vous êtes, enfin, j'espère que vous n'êtes pas blonde comme moi, en disant on peut faire l'un ou l'autre, mais non, non, il y a bien deux projets. Hein. Donc voilà, donc mes petites cloches, et puis ici ma petite boule de neige. Donc je vous mets tout ça en photo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.